What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et je suis toute excitée parce qu'il y a eu un changement de plan mais vraiment positif. Aujourd'hui il fait super beau, gros soleil. Puis ces derniers jours depuis qu'on est revenu de vacances, il y a pas mal plu, c'était gris. Il y avait même des vents assez frais, puis là il fait super chaud, full soleil, il n'y a aucun nuage dans le ciel. Puis c'est juste tellement une belle journée pour aller profiter de la piscine chez mes beaux-parents. Ils sont pas là présentement, ils sont en vacances, c'est nous qui s'occupent de la maison. Puis mon chum avait déjà affaire à aller là. Le studio de musique à mon chum y est chez mes beaux-parents. C'est ça que lui avait prévu de faire aujourd'hui. Il va aller faire du studio, puis moi je vais avoir la piscine à moi tout seul. Puis c'est ça, je suis comme super excitée, c'était vraiment pas prévu. Mais là je me suis dit, ben si j'amène le vlog avec moi, je vais pouvoir continuer de filmer un peu ma journée, mais avoir du plaisir en même temps. Alors comme vous avez vu en passant, ce matin j'ai fait un super bon déjeuner. J'ai fait le petit café à mon chum. Et c'est pour le féliciter d'avoir passé un gros examen. Je suis super contente pour lui. Puis j'ai décidé de lui faire un bon petit déjeuner ce matin. C'est lui qui m'appelle justement. Allô? Ok, excusez, je sais plus qu'est-ce que je disais. En tout cas, on passe la journée chez mes beaux-parents, puis on va revenir pour l'heure du souper parce que je veux vraiment faire une lasagne maison. Encore une fois, pour féliciter mon chum d'avoir passé cet examen-là. Je suis super contente pour lui, puis si on peut avoir plein de raisons pour célébrer, écoute, c'est merveilleux. Alors hier, j'ai fait dégeler deux pots de sauce à spaghetti, alors je vais pouvoir prendre ça pour faire ma petite recette de lasagne. Mais bref, c'est ça le plan, je vais aller faire mon petit pool bag. Je vais de la crème solaire, ma serviette, je vais préparer mon maillot, tout ça. Puis après ça, on va être prêt à partir. Ah, puis aussi, on a mon petit chien qui va venir avec nous. Ok, alors voici mon petit outfit de pool. J'ai mon beau petit maillot qui provient du Fashion Nova. J'ai ma petite pince en fleurs au cas que je veux pas mouiller mes cheveux. Mes petites shorts genre jaune qui vient aussi du Fashion Nova. J'ai une chemise orange, ça fait longtemps que je l'ai. Je me rappelle plus je l'ai pris où, mais en tout cas c'est tellement cute. J'ai mon petit tote bag rose, tellement trop cute. Je viens rechercher le petit rose dans mon maillot. Oui, je pense à tout là parce que je me dis que je pourrais peut-être prendre des photos. Puis j'ai mis à l'intérieur ma petite serviette. J'ai mis un jeu pour jouer dehors. J'ai mis une crème solaire. Bref, je me change puis je vais être prête. Ok, je vous montre vite vite, mais voilà pour comme le overview de mon outfit avec mes petites shorts jaunes puis ma petite chemise. Fait que let's go! Ok, puis j'ai oublié aussi, on n'a pas dîné, fait que je vais nous amener une petite salade de fèves d'haricots en fait que j'ai faite hier. Ready to go! Oh yes, ça c'est un vibe. Cheers. Happy fluff. Are you having fun? Elle est prête à jouer, le voleur de salade. Elle est trop bonne cette salade là. Ouais. Moi j'en veux-tu au studio? Studio. Check le panneau. Oh! Comme toi excité. Ah. Oui, là, oui, oui! Yes! Elle aurait tellement fait là! J'aurais entendu que t'étais excité pour voir ton studio. Pas ça, là, en passant, c'est pas son drum complet, là. Genre, oh, wow, ton chum est drummer! Ouais, mon chum est drummer avec la moitié d'un drum. Mais non, c'est parce que son chum, il joue la fin de semaine. Fait que son drum, il est dans le char. Mais c'est ça qui arrive, genre, c'est le bordel un peu parce que tous les micros sont sortis, tout le gear est sorti. Parce que quand t'as un artiste invité puis tu veux créer, ben c'est là, là. C'est là que ça se passe, fait qu'il faut que t'aies tout à portée de main. Normalement, c'est plus organisé que ça, mais genre. Ben pour vrai, c'est pas super. Genre, comparé à moi, le bordel, quand je me mets à filmer une vidéo. Ouais! Je pense que c'est la première fois que vous voyez son studio. Ouais. Mais il est même pas comme tout monté au complet. Qu'est-ce que tu fais là au studio? On va prendre un moment. Juste pour vous montrer. Mon inspiration! Les petites figurines en Lego. Et l'autre là-bas ici. Starfighter qui tient une Dragon Ball, ça c'est quand même. T'en as pas d'autres? Ah oui! Ben oui, j'en ai un, j'ai un X-Wing. Yeah. Oh. Dude, rien de moins. Wouhou! C'est ça que ça fait un musicien dans un studio.
Ouais, ça gosse pendant 2 heures avant d'enregistrer de quoi pendant 15 minutes, puis après ça, ça le flush au vidange, puis c'est pas satisfait, c'est ça. C'est ça. En passant, il y en a peut-être qui vont dire « Ah, là, il y a un micro, non, il est chanteur. » Non, il est compositeur. Fait qu'il fait tout. Je suis compositeur, puis pour cette tune-là, je suis arrangeur. Ça veut dire que je pogne la tune, puis si à un moment donné, je suis genre « Hey, ça serait bon des voix à ce moment-là », ben, c'est moi qui ai fait les voix à ce moment. Fait que le chanteur, il a fait la voix principale, mais il y a pas de back vocals. Là. On a décidé des endroits qu'on voulait des back vocals. Fait que là, je vais les enregistrer, puis je vais les faire. C'est ça? Check. Ah! Il va se mettre à rapper. You know what you gotta do. Bye! Bye! Donc, ce fut une super belle journée ensoleillée. J'en ai profité à fond. Mais là, il est déjà 5h30. Je sais que la lasagne, le temps de la faire et tout, ça peut prendre du temps. Puis en plus, c'est comme une heure de cuisson. Puis juste avant, on doit aller faire l'épicerie. Fait qu'on va retourner chez nous parce que j'ai pas pensé d'amener des vêtements de rechange. Puis j'irai pas faire l'épicerie en maillot. Alors, je vais aller voir mon chum au studio en bas. Puis c'est ça, après, on va pouvoir aller faire l'épicerie. Je vais aller au Costco aussi. On va souper vraiment tard. Mais bon, on va faire ça vite. La liste est déjà toute faite. Je vais tout vous faire après ça. Un petit haul de ce qu'on a acheté. Puis après ça, on va faire la lasagne. Fait que, à tantôt! Ok, alors on revient tout juste du Costco. Voici tout ce qu'on a acheté. On a quand même été assez raisonnable, là. C'est pas super. On a acheté des bons petits raviolis au fromage et épinards. On a acheté des fèves, un petit sac de mini cocombes, des raisins, des bananes. On a des fraises, des bleuets. Ils sont tout petits, fait que moi j'adore ça parce que c'est quand un peu plus surette. Puis on a acheté 2 petits pains comme ça. Des Yop Bar, mon lait d'avoine préféré. Des filets de poisson préférés aussi. Je trouve qu'il y a comme pas trop de panure. Et le poisson est bon. J'adore ça pour mes fish tacos ou juste un genre de fish and chip un peu plus santé avec une petite sauce tartare maison. Je trouve ça vraiment bon. Là, on a du petit jus d'orange ici, des œufs. J'ai racheté des pâtes parce que là, on avait un peu le même principe là, pour ne passer au travers. On a acheté une grosse boîte de gaufres parce qu'on a comme un craving de manger des gaufres. Puis là, maintenant, avec le nouveau fridge, ben on a de l'espace dans le congélateur. Puis avec ça, on a acheté du Nutella. Oh my god! Puis j'ai racheté des petits puddings au chocolat noir. C'est des poutines de soya, je trouve ça vraiment excellent. Alors voilà pour le Costco. Maintenant, je vais tout mettre l'épicerie puis je vous montre aussi le petit haul de ça. Ok, alors maintenant pour l'épicerie, voici tout ce qu'on a acheté. On a des carottes, des tomates, 2 pommes vertes, des petits jalapenos parce que j'ai vraiment envie de faire des spicy margaritas. J'ai aussi une de mes salades préférées, c'est la ranch au chipotle. C'est comme une genre de petite salade de choux avec du petit croquant, c'est vraiment bon. Des petits épinards, 2 salades iceberg, 1 céleri, 2 limes, 1 paquet d'avocat parce que j'ai plein de recettes cette semaine avec ça. Des oignons verts, des patates, champignons, j'ai 2 tofu ici, brocoli. C'est pas mal ça pour ce qui est comme légumes. Sinon j'ai acheté 2 sortes de tortillas. J'ai ceux-là au blé pour les fish tacos, puis j'ai ceux-là au maïs et blé qui sont vraiment excellents pour un petit taco végé fait avec du tofu qui sont tellement bons. J'ai aussi du saumon fumé pour pouvoir faire mes genres de petits sushis déconstruits croustillants. Absolument delicious. On a une toute petite brique de fromage cheddar pour faire un petit mac and cheese. J'ai acheté du fromage ricotta pour me faire une petite lasagne maison. J'ai aussi du fromage feta. J'ai ma petite boisson préférée de Thirsty Buddha au melon d'eau. J'adore ça, le noix de coco avec le petit fruité. Ma petite crème végétale que j'utilise puisque je suis intolérante au lactose. J'ai aussi un petit yogourt nature. J'ai 2 petits bouillons thaï comme ça que j'adore avoir pour faire justement ma petite soupe thaï maison. J'ai oublié de vous montrer aussi au Costco tantôt, j'ai acheté un paquet de 2 mayo tse qui est tellement bonne, ça vient vraiment en gros format là, je trouve ça absolument excellent. Sinon c'est ça, à l'épicerie j'ai acheté une petite mayo au sésame, j'ai des haricots noirs, 2 petites cannes de pâte de tomate, de la crème sûre. Maintenant la section vraiment moins santé, j'ai 4 kimchi que mon chum a pris. On a des petites ailes de poulet pour un petit cheat day, j'ai mon turkey bacon et des saucisses à dog au poulet puisque je mange pas de porc, donc c'est pour ça que j'ai du bacon de dinde et des saucisses au poulet. Mais voilà pour le haul de Costco et épicerie. Je range tout ça puis on se reparle après.
Bon, le désert encore pour le son, là, il y a la fan en arrière. Mais les pâtes sont juste al dente. Fait que c'est ce que je veux. Parce que si j'ai fait cuire au complet, ils vont devenir trop molles dans le four. Puis si j'y mettais cru, ils allaient tout absorber le jus de la sauce. Fait que la lasagne va pas avoir des pâtes trop molles, puis elle va rester juicy juste assez. Avec la sauce, ça va être full bon. Je vais enlever l'eau des pâtes, les rincer à l'eau froide pour qu'elles arrêtent de cuire. Dans ce chaudron-là, je pense que je vais faire chauffer mes pots de sauce. Pas que ce soit, mettons, tiède, chaud, puis ça full froid. Je pense que ça va faire en sorte que la cuisson va être un peu moins longue aussi de la lasagne. Oh my god, meilleure idée ever. Je suis en train de cuire des champignons, puis je les ai coupés grossièrement, parce qu'on va goûter les champignons. Ma sauce est en train d'épaissir aussi, j'ai mis pâtes. Presque tout est fait. J'ai aussi le petit fromage ricotta. J'ai coupé du basilic finement pour mettre entre les couches ou sur le dessus. Puis j'ai des épinards aussi que je pourrais rajouter. Fait que là, ça va être garni, ça va être tellement bon. Oh my god. Je viens de sortir la lasagne. Toute grillée là autour comme ça là. Là je viens de la sortir du four, donc obviously c'est beaucoup trop chaud avant que je la coupe. Fait que je vais attendre encore quelques minutes, puis après ça je vais mettre ça dans des petits bols avec un petit peu de basilic. And it's gonna be perfect. Tada! Voici notre bonne lasagne pour ce soir. Je suis tellement contente du résultat, ça sent vraiment bon. On célèbre la passation de son examen. Puis on écoute un petit film en même temps, puis nous on se reparle après. Bon appétit!